Et salut à tous les frérots, salut à toutes les sœurettes, j'espère que tout le monde va bien avant de démarrer cette vidéo. Déjà je voulais vous souhaiter un bon week-end parce que je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous souhaiter un excellent week-end, merci à tous d'être présents. Et on va ressortir une team vraiment bizarre et surtout horrible, horriblement cancer parce que mon dieu que c'est trop chiant. C'est une team les gars avec full open safe sur Gatai Zamasu et en plus de ça du coup on va jouer Yajirobe. Qui va apporter une verre dans le deck. Oui, ce qui va apporter une verre dans le deck. Et on aura du coup tout le temps des vertes. Ça va être infâme. En plus de ça, Yajirobe, il peut générer des SP si l'adversaire est en dessous de la barre des 50%. Donc c'est très fort. Mais vous allez voir. Je tiens à vous dire. Je vais jouer d'une manière horrible. C'est-à-dire que ça va être tout le temps. J'esquive verte. Je m'avance vers l'adversaire. Je verte. Et c'est ça en fait la force de la team. En fait, c'est ça. C'est horrible. Hein. Franchement, pour l'adversaire, c'est trop chiant. Mais bah ça fonctionne et ça marche. Hein. C'est le jeu qui nous permet de faire ça. Donc, let's go. Regardez un petit peu les caps Z en plus de ça sur le banc. Alors, le Gatai Zamasu, on a que 7 étoiles. 3 étoiles, pardon. Si je l'avais beaucoup plus étoilé, ce serait vraiment, vraiment super fort. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà très bien. Et regardez ce qu'il va faire le perso à 3 étoiles. Hein. Vous allez être vraiment choqué de ce qu'il va être capable de faire avec aussi peu d'étoiles. J'ai droppé qu'une fois l'anniversaire le personnage. Et c'est parti, les gars. En plus, ça, si l'adversaire passe en dessous de la barre des 50%, on met Yajirobe, on met l'aspect. En plus de ça, il a Cap Z parce qu'il est en leader. Du coup, ça va être encore plus fort. Et vraiment, vous allez voir, le perso, c'est une dinguerie, Gatai Zamasu dans cette team-là. C'est limite comme ça que je le jouerai tout simplement parce que vraiment, c'est horrible. Vous allez voir, il n'y a pas de mots, mis à part dire que la team, elle est horrible et infâme. Donc voilà, merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu, à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne comme d'habitude. Si vous êtes content de voir des showcases qui changent, des teams que vous voyez pas un petit peu nulle part ailleurs, bah n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est là pour ça. Et merci à tous ceux qui soutiennent gratuitement, merci à vous. Allez c'est parti les gars, on commence évidemment avec Gatai Zamasu directement et puis c'est parti. Vous savez, Yajirobe va pas être un mauvais tank, en fait va falloir pas se faire trop toucher tout simplement, mais bon, l'adversaire va quand même peiner à nous attraper, mis à part dans un pas de côté parce qu'on aura tellement de cartes vertes que ça va être infâme. Bon bah c'est parti, allez soyons fiers de nous les gars, allez ça commence. Allez c'est parti, on a l'open et puis bah let's go. Je rappelle aussi que les spé de Gatai Zamasu ramènent des vertes. C'est vraiment horrible en vrai quand même. Même ses spares amènent des verts, donc des verts on va en avoir. Ok. Franchement, si on avait une carte verte qui tomberait là, les gars, ce serait bien. Non. On va switch. Putain, elle est tombée juste après quoi. Oh là là, il y a Jérobé. Il y a Jérobé qui va faire le main ici. Et là, on a déjà une. Voilà, oh, là, les vertes qui tombent. Ok. Bon, bah. Faire la verte là. C'est avancé. On va faire la verte. Oh, il s'est pas fait avoir. Ah, là non plus. Ah, c'est parti. Bon, là, c'est le moment où on se fait attraper. Franchement, dommage. Parce que là, je pensais pas qu'il allait l'avoir venir. Il nous détruit notre carte verte ici. Ok. Franchement, ça, ça me va. Je crois qu'on a pas main avec Wiss, les gars. Donc, en vrai, ça, ça coule. Ok. Rising Rush. Parfait. Rising Rush, c'est parfait. On va remettre la carte verte dans le Rising Rush parce que j'ai que des cartes vertes. Donc voilà. En vrai, c'est tellement obvious que je suis pas sûr qu'il le mette en vrai. C'est tellement obvious que. Voilà. C'est ça en fait. C'est tellement obvious. Tu veux dire, il va mettre la verte. C'est obligé. Il a que des vertes. Et du coup, bah au final, ils le font jamais. Bon, on prend l'avantage ici. Mais en tuant son Goku Vita aussi parce que ça nous apporte des tempos. Hein, ces cartes vertes, ça c'est très fort. Après, Goku Namek va falloir le tomber quand même. Hein. Mais bon, on nullifie le type. Faut pas oublier. Donc. Ok. Pff. Oh la tarte. Et bah il est mort. Yajirobe les gars. Yajirobe. Yajirobe qui va tuer. Et voilà. C'est trop fort. La team elle est putain de forte. C'est un délire. Mais c'est vraiment. C'est infâme. Mais on a encore une carte verte. On va pas se presser. Hein. Bah là t'es obligé de me Rising Rush quoi. Si tu veux gagner la game. Hein. Ce qu'il va faire. Oh bah là c'est terminé. Et voilà. On a juste à mettre Gatai Zamasu et on termine avec 3 persos. Elle est horrible. Je suis désolé les gars, cette team elle est vraiment vraiment horrible. Je le sais hein, mais c'est tellement fort aussi. Les gars c'est fusion phase, donc si ça joue Oob, lui aussi aura des open save. Donc il sera pas à plaindre mais... Bah en fait ce qui est trop fort en plus c'est que, mis à part que tu open save tout le temps, si jamais il y a un perso qui descend en dessous des 50%, tu mets Yajirobe SP, ça marche la première fois, mais c'est très fort. Après ça marche quand même les autres fois, c'est juste qu'il va pas lock, mais ça reste quand même assez excellent.
Et comment contrer l'open safe? Bah par un autre open safe tout simplement. Alors il s'est pas fait avoir, je suis trop con. J'ai fait vraiment le truc du noob là. On peut le dire? Bon, on peut le dire. Bon, par contre, vu le soin de Gataï Zamasu, les gars, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ouiss. Ok, la carte verte, c'est très bien parce que il aurait fallu vraiment qu'il la fasse après transfo, en fait. Ça a changé tout, les gars, qu'il la fasse après transfo. Putain, c'est pas fait avoir, il joue bien. Hein. Wow. Wow, ce qu'on vient de prendre là. Putain, il joue bien, il s'est pas fait avoir pour l'instant. Ah, ça c'est pas bien pour moi. Ça c'est pas bien pour moi, il aurait vraiment fallu que je garde Yajirobe là. Il aurait vraiment fallu que je garde Yajirobe. Hein. C'était important. Mais on contre pas nous. On contre pas et bah voilà, les deux vertes qui sont bien timées de l'adversaire. Il s'est pas acheté encore une fois, hein, donc il a bien joué. Mais ouais, on est dans la situation. Après c'est pas fini, hein. Franchement on peut 1v3. Très sincèrement les gars, c'est possible. Mais juste le fait qu'il n'y ait pas Yajirobe, c'est que j'ai pas main en fait avec Yajirobe. On n'a pas eu une seule fois l'occasion. Ok, là on attaque, ça le surprend, donc c'est cool. Et ça va soigner du coup. Et on a aussi le soin de Whis. Est-ce que je vais pouvoir en profiter du soin de Whis? En vrai, ça c'est pas sûr par contre. Perfect dodge. Bon, le perfect dodge il est dégueu par contre. Sincèrement, il est vraiment dégueu. En vrai, il met Gogeta, il prend le kill. Hein. Il met Gogeta DBS, main, il prend le kill. Je sais pas s'il va le faire. Il le fait, je pense. Ok. Bon bah c'est fini pour Whis, on a pas eu de quoi main. Bon bah là il est trop bien. Tackle. Ok. On va Rising Rush son Gogeta s'il y pense pas. Ok bah il y a pas pensé. Carte verte ici, comme ça bah là il peut rien faire. Tout simplement il peut rien faire. On va être l'aspect dans le Rising Rush. Ça va pas être facile hein. J'aimerais bien les gars ne pas utiliser l'ulti, c'est vraiment important parce qu'en fait l'ulti pourrait prendre le kill sur Majou vraiment super rapidement. Oh le tackle. Y'en a marre en face. Ok. Ok parfait. Ça c'est cool. Il va nous rendre la TP les gars. On devrait prendre le kill là sur Oob. Pas sûr mais je pense en vrai. J'espère hein. C'est pas sûr en vrai hein. Franchement les gars c'est pas sûr du tout qu'on prenne le kill là dessus. Si on le prend c'est fort mais... Allez let's go, on le prend. Ok. Il s'est fait avoir là dessus. Allez, let's go. Je pense que c'est fini, les gars. Je vous dis, je pense que c'est fini. S'il est une spé, en tout cas, c'est fini. Après, il vient de spé, donc c'est pas sûr qu'il est une spé. Est-ce qu'il va terminer combo? On réduit qui aussi, les gars? N'oublie pas. Hein. Bah, si, je pense qu'il l'a. Non, il l'a peut-être pas. Il l'a pas. Oh, le perfect. Oh, le perfect dodge. Non. On était à deux doigts de faire 1v3, mais franchement, je vous la laisse. Parce que juste ça, ça me choque. On était à deux doigts de le faire. Hein. Franchement, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Quel dommage. Putain, c'est trop bon. La team, elle est vraiment impressionnante. Bon, c'est horrible, la team. Franchement, les gars, vraiment, c'est infâme au possible. Et là, on se retrouve face à Goku SSJ 4 jaunes. Alors là, franchement, il a 4 jaunes dans la team. Hein. Ah, ça va être très compliqué pour lui. Allez, c'est parti, les gars. Ok, il a quand même pris un bleu. Non, on se fait pas avoir là-dessus. Regardez, même là, même à contre-type, on va caler des dégâts. Hein. Et quand on aura des vertes, vous allez voir. D'ailleurs, le contre-type, on va plus le sentir du coup. Hein. Ok, il a capté. Hein. Ça, c'est sûr qu'il a capté. C'était cramé, ça. Okay. C'était tellement cramé que c'était un petit peu abusé si ça passait. On met Yajirobe ici. Il va vouloir clairement mettre un personnage jaune pour mettre la pression. Hop. Directement, oui, oui, si, si. Bon, la verte qui dispèse, pas trop grave. Le soin sur la team, il y a du soin aussi dans la team hein, quand même, il y a quand même beaucoup de soin. Hein. Dommage, j'en avais la cover là-dessus.
Tu peux pas attaquer. Tu peux pas attaquer. J'ai oublié de faire ça, les gars. Je pouvais pas attaquer, putain, ça c'est fort. Hein. En vrai, c'est fort ce qu'il vient de me faire là. Oh, les dégâts des Jirobé là. Oh, les dégâts des Jirobé. Let's go, ça passe. Ça c'est cool. On va. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaye d'aller chercher la régène de TP ou pas? Parce qu'en fait, ça va beaucoup dépendre de s'il a une verte avec ou si il m'open save, c'est mort. Mais bon. Au pire, si on perd les Jirobé, c'est pas la mort. Hein. C'est pas la mort non plus. Ah, mais c'est pas Oub. C'est pas Oub, my bad. Ça va faire très mal ici, l'aspect, il peut rien faire. Bon. Attention à la verte. Et voilà. Bah, c'est trop fort. C'est trop fort. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, je crois que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus. On va faire peut-être une petite game de plus et puis... on s'arrêtera là, c'est hallucinant, vraiment, c'est une théorie. Bon bah allez, dernière game, bon ça ressemble un petit peu à la team qu'on a joué, mais là c'est quand même plus fusion avec Gogeta 4. Donc let's go, franchement c'est horrible, c'est vraiment, de toute façon je vais la jouer et après je vais arrêter de jouer, parce qu'en vrai, bon, je vais pas gagner toutes les games, hein. Franchement il y a plein de games que je gagne pas, hein, je vais pas vous mentir, mais bon quand même. Allez let's go les gars, on a une carte verte en main, il a direct backdash, donc il sait ce qu'on fait, putain. Putain ça je suis deg. Ça, je suis deg là, la tape au tir fond de map là qui me met plutôt mal. Bon, pour l'instant, il n'y a pas moyen de l'attraper. Hein. Pour l'instant, c'est trop fort pour moi. On va mettre Whis. Pour l'instant, c'est vraiment trop fort. Pour ça, j'arrive pas à l'attraper donc déjà, c'est compliqué. Stop, frérot, stop, stop, stop. Passe pas ça. Ok. Ça y est. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Ça, c'est juste pour lui enlever sa barre. Et là, c'est parti, Gata Zamasu. Ouais, mais là, il se dit, c'est pas possible. Il a pas encore inverté. Bah, si. Et bah, si, c'est ça le pire, en fait. C'est ça le pire. C'est un truc de ouf en vrai. On a rendu la TP. Parfait. On a encore une carte verte en main. Enfin bref, c'est... la boucle est en train de se boucler. Je crois que la boucle est en train de se boucler. D'ailleurs, on va encore gagner notre régène de TP. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, mais de toute façon, on va lui détruire les cartes. C'est vrai que ça, c'est fort. Ça, c'est trop fort avec Gata Zamasu derrière le Rising Rush pour récupérer ta TP. Bah là, on va lui détruire des cartes, donc c'est juste incroyable. Allez, hop, ça tue. Ok, on se paie là. Oh, j'aurais bien vu la P passer ici, dommage. J'aurais bien aimé en tout cas. Je mets en cover parce qu'il tank pas si mal que ça, les Jirobé. Le problème, c'est que c'est pas lui que je voudrais donner, hein. Il a vitesse plus plus 2, il va prendre le kill si je switch pas. Ouais. Il allait prendre le kill si je switch pas, donc là qu'est-ce qu'il va faire? Rising Rush, et eh ben c'est parfait pour moi. C'est Gogeta 4 qu'il va falloir gérer maintenant. On a gardé le Froyer Jirobé juste pour mettre l'SP. Donc va falloir que ça nous serve tout simplement. Là je vais tackle. Et si on attrape un de ces persos, je pense que c'est la fin. Allez l'air, c'est maintenant faut bien jouer. C'est maintenant faut bien jouer. Là ça cover. Ça cover pas. Ok. L'ulti là. Alors là l'ulti ne tuera pas les gars. C'est dommage, j'aurais bien voulu mettre l'ulti sur Oum. Malheureusement on n'a pas pu. Oh putain, il était pas loin. Tellement pas loin en vrai. Ouh. Ah, j'ai pas pu mettre. J'ai pas pu main. Oh non. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ok. C'est la fin quand même, tu penses, hein? Il essaye de nous ridiculiser, qu'est-ce qu'il fait?
sais pas ce qu'il fait en face. Pourtant il a, on lui a détruit une carte non pour qu'il... Ok. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? En vrai ce qui est bien c'est qu'on lui réduit... Ah mais c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'on lui avait réduit le kill, c'est pour ça qu'il pouvait pas. Franchement je sais pas. Franchement je sais pas. Et Gata Samasu il arrive pas à le tuer. Oh Dispel il est fort. Oh comment il est fort. Comment la carte verte elle est trop forte là. Dispel plus destruction de carte. Aïe. Ça sent la fin là par contre hein. S'il ne tue pas là c'est qu'il a envie. Ok. Bon, on va s'arrêter ici les gars. Le showcase est terminé. Merci à tous d'avoir été présents. Bon vous avez vu, face à des teams à deux moments c'est compliqué. Là il m'aurait laissé ulti sur le... sur le hoop c'était fort. J'ai même pas pu mettre avec Kyajiro B. J'ai fait 30 pas de côté à un moment. Bref, en tout cas la team elle est horrible. Merci d'avoir été présents. On s'arrête là. Allez, ciao.